Le ring était le théâtre de ses exploits. Un super Fabrice Benichou qui conserve son titre par un KO. Aujourd'hui, c'est sur les planches que Fabrice Benichou exorcise ses démons. Une reconversion naturelle pour le triple champion du monde de boxe, véritable enfant de la scène. J'étais fils d'artiste, on a été artiste de variété, on tournait dans le monde entier, on a fait des musicals, des cabarets, des cirques. Alors je revenais un peu aux origines si on veut. Au théâtre Montmartre-Galabru, Fabrice Benichou parle de son parcours, de sa vie. Un sacré défi pour lui. 70 combats professionnels, forcément ça m'a atteint. Non. Autant pour moi. Autant vous le dire de suite, je risque d'avoir quelques trous de mémoire durant le spectacle. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu, hein. J'ai des antisèches partout. Là, le tout c'est de les trouver. Attendez. Avec le théâtre, la mémoire, je l'ai beaucoup travaillé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a régénéré un peu les cellules, tout là-dedans. Et puis, j'ai encore des problèmes de mémoire, mais moins. Son enfance difficile, ses problèmes d'alcool, sa tentative de suicide. Oui, j'ai pris mon couteau, j'ai pris ma main, et j'ai dit... On y va. Bah ! Oh putain, ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal ? Fabrice Benichou se raconte, se confie. Il n'est pas dans la peau d'un personnage, il est lui. On joue sa vie quelque part sur scène. On transmet ces valeurs qu'on a eu de monter tout en haut, de redescendre tout en bas, et comment se relever à chaque fois. Ce one-man show est plus qu'un spectacle pour Fabrice. C'est une thérapie. Ça m'a complètement ressuscité, j'étais complètement par terre et puis je ressors la tête de l'eau. Il y a une équipe qui s'en met plein la gueule. Et il y a trois mecs qui viennent sur moi. Alors, mettre des mots sur son histoire complexe, tourmentée, l'aide à prendre de la distance sur sa vie. Une vie folle qu'il qualifie de merveilleuse. Le spectacle m'a permis d'expulser ce côté qui était noir en moi et puis en fin de compte de le banaliser ma situation, ma vie et puis... avoir du recul. Il y a des gens qui en chient autrement plus que moi sur Terre. Avec ce récit poignant, plein d'autodérision, parfois même merci. Comique. C'est bon. Alors, tu la vois ? Sur scène, Fabrice Benichou redonne un sens à son existence. Et c'est peut-être sa plus belle victoire.